Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la Belgique profonde agrandie. Et du coup, aujourd'hui, comme promis, on va aller chercher les animaux. Donc, je sais plus trop où c'est. Ça doit être derrière le théâtre, je crois, si je dis pas de bêtisation. Donc, du coup, on est parti pour faire 2-3 voyages et on va commencer à s'en occuper. Alors, mon tas de maïs est toujours pas fermenté à 100%, mais je pense que le temps qu'on aille chercher les bêtes et qu'on mette au moins de la paille, de l'eau, etc., etc., déjà, on sera, je pense, à la fin de la vidéo. Mais en plus de ça, je devrais pas être bien loin d'avoir le tas de maïs qui doit être fermenté. Donc ça devrait passer normalement. Donc du coup, je vous tourne pardon, cette vidéo-là à la suite de celle d'hier. Voilà, je vous ai expliqué hier que donc à 15h30, hier après-midi, je partais chez le veto. Et du coup, aujourd'hui, je vais aller voir ma grandmother qui est à l'hôpital. Simplement, alors rien de grave, hein, voilà, pour ceux qui s'interrogeraient, il n'y a rien de gravissime. Mais le problème, tu vois, c'est la particularité de l'hôpital Jean-Mangeot de Besançon, c'est qu'ils sont incapables de te fournir une date quand elle va sortir. Donc du coup, ça fait 15 jours qu'elle y est, je ne suis pas allé la voir parce qu'on était surchargé de boulot. Et bon, on y est toujours, mais un peu moins maintenant puisque les bottes sont rentrées. Et en fait, eh ben, j'ai toujours pas de nouvelles, tu sais toujours pas quand elle sort, tu sais rien du tout. Attendez, je vais vérifier un truc. Ok, donc du coup, je veux m'émeut. Alors, est-ce que je vais pouvoir les décharger? Bah tiens, on va faire le test tout de suite, on va pas tarder de le savoir. Parce qu'à la ferme, en fait, ils disent pas que c'est des brunets blanches, ils disent que c'est des pies de je sais pas quoi, alors que c'est des montbéliardes, enfin bref, peu importe. Et du coup, sur le parc directement, ils disent ça, et là, ils disent que c'est des vaches bah, d'origine du jeu, hein, comme on a l'habitude de voir. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, si je vais pouvoir les décharger ou pas. D'ailleurs, on va pouvoir le vérifier ensemble. Donc si ça passe pas, bah du coup, je vais ramener les vaches, je rends la bétaillère, et puis voilà. Mais c'est con quand même, ils auraient pu le mettre. À part s'il faut descendre au nouveau de point d'achat de vaches. Au nouveau, je crois qu'il y a que les vaches allaitantes. Pas sûr. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test ensemble, gentiment. Si ça marche pas, bon bah voilà, bon, je crois, un truc de plus sur lequel. Enfin, ça fera un truc de plus à corriger sur la map du coup. Alors je vous ai pas tout cité la liste hier, hein, j'en ai juste dit un ou deux comme ça. Mais je les ai plus en tête, mais voilà, y a quand même pas mal de petites choses qui ont des petits soucis. Même si pour l'instant en solo ou en partie multi normal, ça change rien au fait que tu peux jouer. Mais c'est vrai que voilà, sur serveur ça passe pas, alors que nous on joue principalement sur serveur. Ah, mis à part les carrières que je fais en solo, où là bah, je le fais juste en solo, hein, je prends pas un serveur pour jouer en solo quand même, il y a des limites. J'ai pas assez de sous pour payer un serveur tous les mois si justement il sert à rien. Donc voilà. Mais ouais, il y a plein de petits trucs qui font que. Et finalement, bah, je trouve ça dommage. Alors peut-être qu'il y aurait peut-être. Il aurait peut-être fallu la sortir peut-être à peine plus tard, ça aurait pu être bien, je pense. Ou alors, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop, je saurais pas de vous donner mon avis exact, mais. Bon, je suis pas dégoûté, mais j'ai moins la hype qu'en arrivant pour la présenter. Donc ouais, après, et comme je dis souvent, chacun ses goûts et ses couleurs, hein, c'est pas parce que je dis ça que vous êtes obligé. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais, je m'en doutais. Donc du coup, en fait. Pour acheter les animaux, c'est soit et je vais aller vérifier tout de suite parce que voilà, c'est soit ici. Bah ouais, mais je veux pas la patte. Ah oui, si c'est ça. Si c'est ça. En fait, il faut que tu viennes l'acheter ici. Alors pourquoi ils ont pas converti l'autre pour qu'on puisse le faire aussi? Parce que finalement, c'est deux points d'achat d'animaux et du coup, bah tes vaches, tu peux rien en faire, celles que t'achètes au magasin d'origine. Ouais, c'est quand même pas assez bête, ils auraient pu reproduire la même chose sur l'autre. Après voilà, c'est mon avis, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Donc en gros, faut que tu descendes jusqu'au bas de la map pour pouvoir acheter tes animaux. Je me suis trompé de route. Nick. Nick, je me suis trompé de route. C'est pas grave, on va repasser par là. Donc ouais, je trouve ça un peu. Ben non, c'était celle-ci. Non, c'était pas celle-ci, c'est celle qui est là. Ok, pardon. Donc ouais, je trouve ça un peu con quand même, parce que bah, finalement, celui-là, de négocier en bétail, il sert plus à rien. Et du coup,
Bah, du coup, t'es obligé de descendre à l'autre. Donc, du coup, pour descendre à l'autre, en sachant que, quoique en passant derrière la ferme, ça pourrait peut-être se faire un peu plus rapidement. On va essayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un voyage. Je vais repartir par la ferme et on va voir si ça met à peu près autant de temps, ou moins de temps, ou plus de temps. Histoire de voir. Donc, du coup, voilà, je fais pas une coupure pour dire que tout simplement ça fonctionne pas, ou je sais pas quoi. Des fois, qu'il y ait quelqu'un qui me dise encore que c'est pas vrai, ça fonctionne et tout. Au moins, vous avez la preuve en image que non, c'est mort. Et du coup, tu es obligé d'aller à l'autre point d'achat pour pouvoir les avoir, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Alors que, bah ouais, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait ici. C'est bizarre quand même. Ça aurait pu. Enfin, j'ose pas. Je sais pas, je vais pas chercher de raison, je sais pas. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais sur serveur, le composteur, je crois qu'il apparaît pas. Si je vous dis pas de conneries, il me semble, il apparaît pas. Ah, je suis pas sûr de mon coup à 100%, mais voilà. D'ailleurs, il faudra que je teste également le composteur, parce que il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit que il pouvait pas le faire fonctionner. Et du coup, bah, je sais pas parce que j'ai pas testé. Donc je vérifierai ça dès que possible. Bien évidemment. Hop. Et hop. Et du coup, je confirme. Donc j'ai perdu un peu de thune, mais c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, est-ce que y a une autre route? Non, il n'y a pas de route, je crois. Faut que je refasse le tour par la ferme. Donc approche de la ferme. Pouvoir y accéder, quoique je peux peut-être prendre la route là. Ah, c'est pas gagné ma connerie là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la ferme. On va se faire un voyage histoire de tester. Et pour voir si ça prend plus ou moins de temps. Alors je vous avoue que si ça prend encore plus de temps, ce que je fais, c'est qu'on fait qu'un voyage, je rends la bête à air et je les achète directement sur le pré. Pas que je recherche la facilité, mais éviter que je sois un peu blasé de la chose. Éviter, éviter. Donc normalement, si je dis pas de conneries, on passe vers les gouris, on tourne avant le champ 30, on rechoppe la route. Et du coup, on n'est pas si loin. Je sais pas trop en fait. Ça doit être kiff-kiff, je pense. À peu près. On va pas tarder de le savoir. Hein. De toute façon, on va tester ça tout de suite. Alors, j'ai pas regardé le temps qu'on a mis pour aller jusque là-bas ou pour revenir. Malheureusement, mais voilà, je vais le faire on va dire en quelque sorte. Je vais estimer, même si voilà, je pourrais pas vous dire à la seconde près. Donc on verra bien. Donc voilà, admettons qu'on part de là. Du coup, c'est parti mon kiki, en sachant que le chemin au début est un peu plus mauvais, parce que quand tu arrives là, normalement, je vais dire tu décélères un peu, mais ça va être au pont qu'il faut décélérer. Histoire de pas se foutre la gueule de la flotte, bien évidemment. Et du coup, tu prends là, tu arrives à la route, et après tu prends directement à gauche. Et tu devrais arriver au bon endroit. Ouais, avec la côte et tout, je suis pas sûr que ce soit moins court. Hein. Parce que là, effectivement, on monte pas à fond. Même si il crache tout ce qu'il peut. Alors finalement, ça aussi, alors c'est pas d'aujourd'hui que je m'en suis aperçu, mais ça a tendance peut-être à plus me gêner qu'avant. Et oui, je suis un vieux con maintenant. Du coup, c'est marqué Maxum 115. Donc c'est un casillage Maxum 115. Et normalement, ça fait 115 chevaux. Normalement. Sauf qu'en jeu, il fait 145. Et je comprends pas pourquoi sur le jeu, ils ont fait ça. Parce que voilà, alors en sachant que peu importe le tracteur que tu prends, on a fait le test avec le testeur de mode, hein, bien évidemment, où les tracteurs, peu importe la puissance qui t'indique, il pourra toujours traîner plus gros que ce qui est indiqué. En sachant que là, même avec un 115 chevaux, je pense que tu pourrais faire le travail d'un 140. Alors pourquoi ils ont mis que le tracteur faisait 145 chevaux alors qu'il en fait que 115? C'est ça que je trouve un peu bizarre quand même sur ce farming. J'ai jamais fait gaffe sur les autres d'ailleurs. Si c'était comme ça aussi, parce qu'il me semble que c'était comme ça également, mais là je sais pas pourquoi ça me. J'ai vu le maximum 115 le premier coup, et je me suis dit, tiens, bah, normalement ça fait 115 chevaux, tu vois, j'ai pas cherché plus loin, et finalement, bah, c'est pas le cas. Alors du coup, il se fout de ma gueule le jeu. Angus, donc ça c'est les vaches. C'est les vaches allaitantes, donc du coup je peux pas les acheter. Parce que là j'ai la bétaillère mode, hein. Sachez que j'ai la bétaillère mode, j'ai pas la bétaillère d'origine. Donc non, tu peux pas. Tu peux pas, bah voilà, magnifique. Tu peux pas, tu peux pas. Alors que la main, tu peux. Ok. Bah écoute, voilà. Voilà, donc je vais vous montrer quand même au cas où. Donc du coup, voilà, moi j'ai pris celle-ci. J'ai la Betimax, RDS, machin, mes couilles. En mode. Et ça passe pas. Ça passe pas.
Ça passe pas, tu peux pas acheter les animaux que tu veux, donc t'es obligé de les acheter sur le champ. Alors ça aussi, je trouve ça dommage. Même à cet endroit-là, tu peux pas, donc ouais, c'est un peu... C'est mon avis, hein, après, mais je trouve ça un peu con. Du coup, ça sert à rien que tu essayes de faire des wesh, puisque ça passe pas. Alors peut-être que sur la dernière mise à jour, ça passe, hein, mais en tout cas, pas sur celle-ci. Bah d'ailleurs, ceux qui jouent sur la dernière, n'hésitez pas à me dire. Donc en gros, là, on a passé 10 minutes 20 à peu près pour rien foutre, mis à part bouffer de la thune. Donc bah voilà, n'hésitez pas à me dire ceux qui sont sur la dernière mise à jour de la map pour voir si ça le fait toujours ou pas. Donc du coup, je veux pas dire que je rajoute ça à la liste de ce qu'on a vu, mais ouais, je trouve ça un peu dommage. Pour celui qui veut apporter un peu de réalisme à la chose, bah, je trouve ça un peu dommage. Voilà, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Alors après, IRL, vous allez me dire, ouais, mais en règle générale, si tu passes par un maquignon, c'est le maquignon qui te les amène. Certes, oui. Mais là, il n'y a pas de maquignon dans le jeu. Donc automatiquement, si tu veux faire preuve de réalisme, c'est toi-même qui va les chercher. Donc ouais. Je sais pas. Bref, du coup, je vais laisser ça là au milieu. C'est pas grave, je rendrai tout à l'heure ou ce soir ou demain ou peu importe quand j'aurai 2 minutes. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en acheter directement là. Et là, j'en suis à combien finalement? 61%, ça va le faire. Donc, depuis le temps que je traîne et que je parcours tout pis rien. Donc, du coup, voilà, on a la rouge de Belgique que je ne connais pas du tout. La pie rouge belge, pour moi, c'est la Montbéliard. Bon, la Holstein. Alors, la Holstein et la Prime Holstein, je vois pas la différence. Ah, il y en a une qui est plus tachée que l'autre, mais IRL, t'as la Prime Holstein, t'as la Red Holstein. Donc, c'est tout simplement une Holstein en. Oui, si, une Holstein qui est rouge. Et après, t'as la Montbéliard, un tas de boxons. Mais ouais, je vois pas l'intérêt de la Prime Holstein et de la Holstein. Après, bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Genre, comment je m'en achetais 30, je pense. Ah merde! Zut! J'ai fait n'importe quoi là. Retour. On recommence. Pied rouge, machin. Voilà, donc normalement, si je dis pas de conneries, on devrait être à 30. Si je dis pas de conneries. Donc on est à 30. Ok, pas de souci. Donc l'eau j'afflotte, je sais plus où elle est. Elle est là. Ok, donc on va aller directement chercher de l'eau déjà. Ou alors j'ai quoi derrière? J'ai la pailleuse. J'ai la bois, on verra après. Je vais aller chercher de l'eau. Donc l'eau, normalement, si ça se passe bien, je devrais pomper dans la rivière qui est à côté. Si ça se passe bien. Et voilà. Et du coup, j'ai acheté cette pince-là que je me suis jamais servi. Alors c'est une pince à ensilage apparemment. Je m'en suis jamais servi. Je me suis dit pourquoi pas. Ça changerait un petit peu. Je voudrais bien pouvoir tourner, mais je peux pas tourner. La misère. Et retourne. Désolé, j'ai dû faire une petite coupure. Donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai jamais utilisé cette pince-là. Donc on va bien voir. On va bien voir. Du coup, l'eau, je me rappelle plus où elle fonctionne. Alors là, il y a moyen d'y aller puis de la prendre là. Je vais tout écraser le champ d'herbe. Il y a moyen. Ah ouais, mais je peux pas. Ça fait pas très. Même si je m'en fous pour le coup, mais ça fait pas très réaliste. Ah, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Je vais me mettre en reculant là à la rivière et puis ça va aller pareil. Normalement, ça. Wouh! Il y a de la bosse. Normalement, ça devrait bien se passer. Oh, il y en a qui peut-être qui vont me dire oui, mais t'as un robinet dans la ferme et tout. Ouais, mais je préfère faire comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais je préfère. C'est comme ça. Du coup, je pense que. Y a rien qui change, genre propreté ou pas et machin, mes couilles, ration totale mélangée, foin en silage, foin trèfle, foin luzerne, herbe trèfle luzerne, pulpe de betterave granulée de luzerne. Ah, faut mettre de la pulpe ou des granulés, ok. Je suppose qu'on peut en acheter parce que là j'ai pas pour le moment, donc je serai pas à 100%. Pas le foin rond, non, tu peux pas acheter de la pulpe, donc t'es obligé de la faire. Ok, alors ça c'est con aussi, parce que t'es obligé de le faire et ça je ne le savais pas. Mais c'est pas grave, on le fera. C'est pas très grave. Hop, du coup on va mettre une cuve, on va mettre. Après le restant de la flotte, je le ferai tout seul. On va mettre une ou deux bottes de paille tout de suite. Et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui, je ferai le reste hors vidéo, gentiment.
Gentiment, gentiment. Hop. Et hop, alors le trigger est super loin. Normalement c'est là. Hein. Ok. Donc voilà, on aura, je sais plus si c'est 6000 ou 8000, peu importe. On aura déjà ça. La paille. Et du coup, ouais, pour le restant, je me démerderai comme je peux. Et puis voilà, tout simplement, je ferai ça de mon côté gentiment. Et puis voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais mettre la cuve par là autour. Elle est bien, elle ne veut pas se sauver. C'est pour la raccrocher. Et du coup, il faut que je cherche maintenant ma pince à botte. Enfin, ma pince à botte, mais mon pic-botte, parce que je sais pas ce que j'en ai foutu. C'est une bonne question. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas ce que j'en ai fait. Par contre, j'ai l'impression que parfois j'ai des baisses de FPS. C'est assez terrible. Ah oui, je suis à 38. Et en fait, je pense que ça dépend des endroits. Il y a des endroits où j'ai pas de soucis. Et il y a des endroits où j'ai l'impression que ça descend. Mais c'est horrible. Et je sais pas de quoi ça vient. Alors, je sais pas où il a rangé ça, Chris. Je sais pas si c'est lui qui a rangé. Non, c'est moi qui ai posé ça là. C'est bien ce qui me semblait que c'était par là. Donc ouais, bon là je remonte à 40, quand, là je suis à 50, quand je remonte là-haut, je redescends à 36. C'est curieux quand même. Tu vois là je remonte, je suis à 60, et normalement je devrais retomber à 36 par là. Ouais voilà, tu vois, 35, 36, et je le ressens, hein. C'est assez terrible, mais je le ressens. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas, hein. C'est pas grave, mais... Et c'est bien ce qui me semblait qu'on le sentait en arrivant. Zut, ça c'est de ma faute. C'est bien ce qui me semblait qu'on le sentait en arrivant en fait devant le silo. T'as des soucis. Et c'est. Je sais pas pourquoi. Je ne sais point. Je ne sais point. Huc. Par contre, la paille, je la trouve plus jolie. Et je sais pas si c'est depuis la mise à jour que ça fait ça ou si c'est sur cette map là. Mais je la trouve plus. Tu vois, plus claire, plus jolie. Je sais pas si. Je sais pas si c'est la mage ou pas. Je m'en rappelle plus. Parce que des cas avec les présentations du mode contest et tout. Entre les présentations de map, de mods, de tout. Bah, j'ai pas joué depuis. Pas du tout. Hein, j'ai juste fait les présentations et j'ai pas joué depuis. Donc là c'est vraiment depuis qu'on est sur celle-ci que je rejoue. Donc ouais, je sais pas si c'est la mage ou quoi. Alors. Hop. Et hop, et hop. Du coup, normalement, on devrait pouvoir, si je dis pas de conneries, bouger la bubuse. Mais je crois qu'il faut décrocher le chargeur pour avoir meilleur temps. Alors, on va essayer comme ça sans faire quoi que ce soit. Et le trigger est ici, alors, si je dois comprendre. Ou alors, faut rentrer par l'autre bout. Parce que ça, c'est le trigger de bouffe, peut-être. Alors, si je rentre à l'intérieur... Brouwer. Oui, il y a un trigger dedans, donc c'est soit le trigger pour curer, soit le trigger pour la paille, et on va pas tarder de le savoir. Je fais des conneries. Encore, faut que j'aille mollo parce que je vais perdre la deuxième botte. Je vais perdre la deuxième botte. Et ben alors. Ah, si, c'est bien ce qu'il me semblait. C'était là. Ouais, donc du coup, j'ai pas bougé la buse. Bon, c'est pas grave, on n'est pas encore air. On n'est pas encore R ultra réaliste, donc bon, à la limite, passe encore, j'ai envie de te dire. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Donc du coup, il va falloir que je mette une chier de botte encore. Et je voudrais bien voir comment la paille va s'afficher. Parce que je suis curieux. Je vais renlever ça parce que de redescendre à 30 FPS, ça me casse les pieds. Avec le fait de le voir, ok, donc ça monte là comme ça. C'est quoi, c'est le fumier, ça? C'est quoi ce trigger? C'est quand même pas la paille? Comment ça se fait qu'ici... Ah oui, mais c'est le soleil, con d'idiot. C'est le soleil, c'est pour ça que quand ça allonge, ça fait plus sombre. Ok, bah c'est pas vilain, ça. Ok, ok. Du coup, bah moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, c'est vrai que la moitié du temps, bah, on n'a rien foutu, puisqu'on a cherché des solutions à notre souci pour que finalement, bah, on, voilà, au moins, on sait que ça fonctionne pas. Bah, voilà. Et du coup, bah, moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne journée ou une... Très bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao.